On est mercredi 11h05. Tu mets la tête. Je repars chercher Camille à son rendez-vous. J'ai bien fait de ne pas attendre sur place. On est parti de la maison à 8h20. Parce qu'elle avait rendez-vous à 9h. Je vous ai dit, en plus, comme il y a des travaux et tout, je devais faire tout le tour. Du coup, on est parti à 8h20. On est arrivé là-bas à 40. Donc elle a attendu un petit peu, puis après elle est rentrée. Moi j'ai attendu qu'elle me dise s'il fallait que je l'attende sur place parce que je savais pas si ça allait vite ou pas. En tout cas, on fait 2 heures. Donc j'ai bien fait de rentrer à la maison. Je me suis occupée des filles comme d'habitude avant de partir ce matin. Et là j'ai déjeuné, j'ai bu mon café, j'ai regardé Tizio. Voilà quoi. Et là du coup je repars chercher Camille. J'ai dit, ah, j'ai oublié mes amis. J'avais oublié ma caméra, du coup j'ai dit, je vais vous prendre avec moi. Bon, j'ai 15 minutes, je vais, comme je vous ai dit, je ne vais pas à chaque fois vous garder peut-être 15 minutes, mais. Ah, en plus, il faut faire tout le tour. Ah, oh là 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 là. C'est parti pour la journée, j'ai rien fait de spécial à part m'occuper des filles, et puis voilà, hein, déjeuner, boire mon café, ramener Camille bien sûr. Et là j'attendais en fait, depuis tout à l'heure je suis un peu sur mon téléphone parce que j'attendais que Cam elle me dise c'est bon. Là elle m'a dit tu peux démarrer. Et là en rentrant en fait, ça y est, même si j'ai mal à la tête, on va faire du ménage. À faire du ménage parce que là c'est un petit peu le bordel. Bon là il y a Mathieu et sa copine qui sont en bas du coup parce que bah, pour surveiller Mel elle dort encore et je la laisse dormir. Il est 11h mais c'est pas grave. Pour surveiller Mel et en même temps parce que je dois recevoir un colis du coup je préfère qu'il reste en bas. Et j'allais dire quoi? Et j'allais dire quoi, je m'en rappelle plus. Et puis en plus, ouais, même Dadeuil a demandé pour venir à la maison ce soir aussi. Bon, je fais pas le ménage parce qu'il y a Dada qui vient ou parce qu'il y a sa copine à Mathieu qui est là. Parce que voilà. Sa copine, elle est là depuis. Enfin, elle s'appelle Tilia. Parce que comme ça, parce qu'à chaque fois, je vais dire sa copine, c'est chiant. Tilia, elle est là depuis samedi. Et là, Dada, il va venir ce soir. Il devait venir normalement que. Bah, normalement, il vient que le vendredi soir. Et quand c'est pas lui qui vient, c'est Camille qui va. Mais bah, là, le week-end dernier, non, il n'y en a aucun des deux qui. Camille, elle a pas été et Dada, il est pas venu. Mais là, du coup, il y en a demandé à Camille s'il pouvait venir aujourd'hui. Moi, je m'en fous. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je m'en fiche. Je roule doucement parce qu'il y a un vélo. J'ai pas envie d'écraser le monsieur. Assez de problèmes comme ça. Je vais pas renverser quelqu'un en plus. Il manquerait plus que ça. Hein? Non merci. On a assez de soucis. Bon, puis j'ai pas envie d'écraser un homme non plus. Je suis quand même pas folle. Allez, c'est parti. Je vais peut-être vous mettre un peu sur la route et je vais vous montrer la route que je dois emprunter là. C'est une route mais hyper serrée. Tout à l'heure j'ai eu un camion qui arrive en face de moi, j'ai dit ouh, ça craint. Et le problème c'est que comme là sur le côté par exemple là où je passe, bah il y a de l'herbe donc au pire on peut se mettre un peu. Et là-bas ça fait vraiment que des trous. Du coup non merci quoi, j'ai pas envie de tomber dans le trou. Mais c'était serré avec un camion. Ça passe, mais c'était serré. Bon allez, je vais peut-être vous mettre un petit peu de l'autre sens et après je vous reprendrai pour du ménage les amis comme d'habitude. Je suis contente. Enfin je suis contente. Je suis contente, entre parenthèses. Mais je vois que le retour de course il vous a plu avec les conneries de Camille. Camille, elle m'en fait des. Elle me fait pas bah, des conneries entre parenthèses, mais toujours en train de faire rire à la galerie, Camille. Elle est comme son père de toute façon. Faut pas que j'oublie de tourner. Attention, monsieur. Hop. Non, c'est madame, pardon. Allez, je vous mets
remet de l'autre sens et je vous reprends tout à l'heure. Je vous ai mis dans l'autre sens et vous allez voir, c'est à partir de là que je vous dis la route elle est hyper serrée. Ah, hyper serrée. Ça passe, mais c'est serré quand même, quoi. Faut faire attention. Voilà. C'est la première fois que je passe ici, enfin ce matin. Je me suis dit, mais je passe par où là? Faire vraiment attention parce que même les virages, ils sont serrés. Aujourd'hui, on a 18 degrés, il fait pas froid, je suis en pull. Ils ont annoncé jusqu'à 23, je crois, donc franchement, c'est cool. Ça serait bien toujours comme ça, même l'automne. Ça va, je suis contente, il n'y a personne. Il n'y a personne. Attention le virage. Hop là. Pas le détour à faire en fait, je passe devant l'usine et j'arrive directement là. Du coup, avec les travaux, je perds le 12. Voilà. Vous voyez normalement la grande route que vous voyez là-bas au fond. Moi, j'arrive de là normalement, mais bon, c'est pas grave. Hein. Normalement, ils sont en travaux que aujourd'hui de 8h à 18h, j'espère, parce que demain c'est pareil. Camille a un autre rendez-vous donc j'ai pas envie de faire tout le tour, c'est chiant. Surtout que demain c'est pas au même endroit. Ouais. Bon bah il y a le train. On peut passer. Allez c'est parti. On va récupérer Camille. Je dis c'est parti. Vous savez à partir de la route là que je connais. Je connais aussi maintenant de l'autre côté. Hein, parce que j'y suis passé ce matin. Mais c'est parce que j'ai l'impression que je suis sur la route là. Ça y est, je suis enfin démarrée. Bon, je vous reprends peut-être avec Camille ou à la maison. Ça fait 10 minutes, je t'attends. Je crois que t'es pas demandé ça, du coup, j'ai dit, on sait jamais quoi. Bah si, je suis là depuis 23, je suis garée. Juste. T'as vu où on était quand je t'ai ramené ce matin? Ouais. Bah je suis sur le petit parking juste derrière. Ok. Bah, j'arrive.
Je te vois. Regardez Black Ami. Vous allez la voir arriver. Peut-être vous allez voir ma tête dans le rétro. Non, je pense pas. Regardez Black Ami. Black Ami. Coucou. Malhonnête, eh. Ah merde, j'ai bougé. Espèce de malhonnête, va. Vas-y. Dis re-coucou. Re-coucou. On fait un retour de course. Par contre, ailleurs, total 52,04 €. Alors, ça on le fait à la fin, Nana. Elle a tapé même fort, hein. Bah, je non, crois. Non. T'es sûr? Bah là, elle m'a même pas touché, mais on elle a m'a pris fait du lait, demi-écrémé. Yeah. Un pack de 6, alors c'est 5,88 €. Ensuite, on a pris. Attends, Nana, je te sors tout, ok? Comme ça, après, tu sais ce que tu peux dire. Ensuite, on a pris. Il y a des épices cajun. Des épices à 2,49 €, il y a combien de grammes? Combien de grammes? 45 grammes. On a pris un. On a pris bah, le lait. Des liégeois au chocolat café.
C'est un mélange. Il y en a 8, il y a 4 liégeois, 4 cafés, 2,015€. Par contre, t'as mis le cajun et la ceinture au frais. Ouais, je sais. Des endives Eco Plus. C'est un paquet de 500 grammes, il y a 5 endives, je crois, dedans, 1,99€. Tu fais des... en haut quoi. Du céleri branche. Il est dans le frigo, dans le bac. Du céleri dans le frigo, dans le bac, tout en banane. 2,49€. Du céleri branche pour princesse. Oui. Ouais, l'arbre. Oui, je veux vous épouser. Voilà. On n'avait pas de sous pour prendre un palmier, on a pris du céleri. Ensuite, de la viande hachée Eco Plus. On a pris 3 paquets. Il y a 500 grammes. Tu peux en prendre qu'un pour le montrer. Il y a 500 grammes dans un paquet. 4,99€ le paquet. Donc ça fait 14,97€. On en a pris 3. Ensuite, des feuilles de briques. On a pris 3 paquets. C'est paquets de 136 grammes. Il y a 8 feuilles dedans. 74 centimes le paquet. Donc on en a eu pour 2,22€. Une ceinture homme. 35 mm, sangle 13, 11,90€ la ceinture. Une ceinture comme ça. Voilà. Et ensuite, en dernier, Nana, à 7,95€, Nana elle a voulu un cache-oreille. Stitch. Parce que j'adore Stitch. En plus, c'est écrit Stitch et en bleu. Attends, Nana, bouge pas. Vas-y, montre. Remonte ton cache-oreille. Voilà, on voit mieux t'aller. Voilà. Donc total, voilà. Total. Attends. 52,04€. Et on a eu. Non, bah, on a eu 5 vignettes. Voilà. Bravo, vous avez obtenu des bulletins de tombola. Oh. Voilà, on vous reprend. Bah, je sais pas quand maman va les reprendre. Tu sais ou pas? Je pense vers. Quand on fera le colis, ouais. Ah, on va faire le colis. On va faire le colis. Tout ça? Le. Re-coucou! On va se coucher parce qu'il est tard, l'heure et demain, il y a l'école. Je vais éteindre la télé, les gens. Hop. Bon, du coup, je vous ai pris dans la voiture, je vous ai pris un peu pendant le ménage. J'ai fait tout. J'ai tout fait le ménage. Salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, toilette. Non, salle de bain, j'ai pas eu le temps de la faire du coup. Je dis des bêtises. Monter l'escalier, couloir. Enfin, bref, j'ai tout nettoyé, mais elle a même lavé sa chambre. Voilà, beaucoup de ménage. Bon, ce matin, c'était la matinée avec le rendez-vous et tout que j'attendais Camille et tout. Donc la matinée, elle est passée hyper vite. Après, on a mangé. Enfin, voilà quoi. Après-midi, c'était le ménage. J'ai pas eu le temps de prendre ma salle de bain parce que quand j'ai fini de nettoyer tout, après Christophe est rentré, il était prendre sa douche. On avait reçu un gros colis. J'ai mis un plateau dessus pour pas que. Il bon. Oh, un gros colis de 8 kilos. Et dedans, c'est que des. Que les cours d'Alex. Du CNED. Donc, ça, c'est ce qu'on avait imprimé. C'est un emploi du temps. Bon après c'est un emploi du temps qui donne en fait et puis après soit on suit soit on suit pas et après en fait il y a tous les livrets comme ça, il y en a énormément, tous des livrets, des feuilles, au pire je vous montrerai mieux la prochaine fois. À l'intérieur du coup il y a des copies simples, après c'est livres de français, d'anglais, encore anglais, français, musique, espagnol, anglais, SVT, art plastique, guide pour bien démarrer l'année, techno, français, physique, chimie, parce qu'il y a les livres et les cours, SVT, physique, chimie, devoirs, 65 copies doubles, éducation musicale, espagnol, histoire géo, enseignement moral et civique, mathématiques. Enfin bref, énormément de, du coup, 8 kilos de livres, de leçons et de cours. Voilà, donc un gros colis qu'on a reçu
sais même plus quand. Pendant midi à peu près, je crois. Donc Alex a commencé, là tout à l'heure, il a commencé les cours d'histoire. Et après, il a fait un peu anglais. Voilà. On peut enfin commencer les cours et tout, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai reçu un autre colis de la part de Sylvie. Un énorme merci hein, pour tous les beaux cadeaux pour Mel. Du coup, on a fait l'ouverture à part. Et bah, puis après, on est à Leclerc, mais je vous ai filmé. Parce qu'on a été récupérer le colis en fait au point relais. Et ensuite, on est à Leclerc. Les filles vous ont montré ce qu'on a acheté. Et puis. Bah, on a bu un café, on a regardé les 50. Et moi, je suis partie chez Nini. On devait lui ramener des produits et puis lui parler de quelque chose. Et en même temps, elle m'a refait mes ongles. Puis voilà, puis après on est rentré, je donne à manger aux filles, on a fait à manger, on a mangé. Et là on a fait on a fait l'ouverture de colis. Et là on a fait des dessins et puis on va aller se coucher. Du coup j'ai choisi du bleu comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai choisi un bleu comme ça. Voilà. Je voulais changer un petit peu. J'aime bien. Bon, ça fait un peu couleur d'été, mais bon, j'aime bien. En fait, je voulais changer un peu parce que j'avais fait la première fois du violet. Et la deuxième fois, j'avais fait du rose. Du coup, je suis partie sur du bleu. Et la prochaine fois, je partirai bien sur un soit orange ou gris. Ou peut-être même un marron. Enfin, on verra. En fait, j'ai envie de changer. Je veux pas refaire la même couleur que j'avais déjà fait. Mais j'aime bien. Bon, ça fait un peu flash. Hein. Mais j'aime bien, moi. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, on est rentré. Oui, il était déjà 19h, je crois, quand on est revenu chez Nini. Donc, voilà, quoi. Là, on va aller se coucher. Oh, puis belle. Oh, avant d'aller chez Nini et tout, elle avait fait ses devoirs. Elle avait commencé un peu hier. Elle a refait ses devoirs ce matin. Et puis là, elle avait refait des devoirs. Pour demain et pour vendredi. Voilà. Demain, pour la journée, école. Camille, elle a encore son rendez-vous pour sa journée d'appel. À 12h45, elle doit être là-bas. Ça dure jusqu'à 16h, normalement. Et puis, voilà. Encore un peu de linge, je pense. Puis, on va faire un peu de ménage, hein, parce que... Même que je l'ai fait cet après-midi, j'ai plus qu'à recommencer demain, hein. Il est beau. Tu veux faire voir tous les dessins qu'on a fait parce que du coup on les a pas montrés. Je vous ai montré que je lui ai offert la pochette de feutre et du coup elle fait des dessins avec les feutres. Parce que sa marraine elle lui a donné un livre de coloriage avec tous des Disney, la princesse et tout. Et du coup ça fait 2 jours que on fait des dessins. Tu montres tout, tu fais voir, tu dis c'est qui. Oh bah je voulais faire le bracelet d'amitié. Ah bah pas aujourd'hui hein, demain il y a l'école chérie. Je le ferai au pire dans midi, si on a le temps. Ouais. Alors j'ai fait celle-là, c'est Manu. Mélène a fait Ariel. Le premier que j'avais fait c'est celui-là. La princesse et la grenouille. Allez vous la montrer du coup. Aladdin, ouais. Elle vient de finir Aladdin. Il est où le deuxième? C'est celui-là. Après, j'ai fini Cendrillon. Je n'avais pas envie de faire le tour. Je l'ai coupé. Après, maman. Hier, elle avait fait celui-là. Camille, elle a fait sur le frigo. Hier, j'ai fait celui-là ou pas? Non, ça m'entend plus. Hier, elle a fait celui-là, il est beau aussi. C'est Lily. Encore hier, elle a fait celui-là. Il est trop beau aussi, celui-là, j'aime trop. Celui-là, il est magnifique. Les couleurs et tout, j'aime trop. Et maman et Camille, ils viennent de finir. Camille et maman. Voilà. On fait du dessin. Oh non, mais elle. Quoi? Non. Bah ouais, tu les poses là chez lui. Je savais même pas. Je savais pas vu. Pour la mettre dans les pochettes des feutres et fermer. Pour pas qu'il touche. Tiens. Voilà. Oh, 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 oh.
Voilà. Je me suis dit, t'as envie de faire un tour? Non. Voilà les amis, du coup je vais vous laisser. Et puis voilà. On se retrouve demain pour un prochain vlog. Vivement vendredi. Week-end, vacances. Et pas de rendez-vous du week-end. J'ai encore mal à la tête aujourd'hui. J'ai pris un Doliprane ce midi là, mais j'ai encore mal à la tête. Mais je sais pas si c'est pas mes gencives ou mon oreille. Parce que j'ai un peu mal aux gencives, à l'oreille, à la tête. Donc je sais pas c'est quoi qui cause le problème. Il a pas fini, ça. Mais il a pas fait. Et j'espère qu'il fera demain du coup. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu. On n'oublie pas les pouces. Parce que vous n'êtes pas beaucoup à mettre les pouces. Donc on n'oublie pas les pouces. Le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Même si c'est un petit ouais. Cœur, je vous répondrai. Hein, quoi qu'il arrive, même si c'est dans une semaine. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Puis, si c'est gratuit pas, hein. En plus. Hein. Ouais. Donc n'hésitez pas, nous ça nous fait plaisir aussi. Hein. Ouais. On monte en abonnés. Hein. On est arrivé à combien? Je sais plus. 2898. Encore 102 abonnés et on sera aux 3000 abonnés. 2 abonnés? 102. 102? 102 abonnés et on sera à 3000. Donc n'hésitez peut-être pas. Peut-être à la fin de l'année. N'hésitez pas, c'est juste en bas. Hein. C'est juste en bas avec la petite cloche. La cloche, c'est fait pour avoir les notifications pour les vidéos. Et le pouce. Mais ouais. Les pouces, les petits commentaires, l'abonnement. Ça fait du bien. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, allez, on va se coucher. Je suis KO. Je pense que je vais vite m'endormir. On faisait quoi? Oh, c'était là. Des gros bisous. À demain. Bisous. Bonne nouvelle journée d'école.